La sieste est un besoin physiologique qui se situe entre 13 et 15 heures. Pourtant, dans les pays occidentaux, elle déclenche plus souvent le sourire que l'assentiment. En revanche, dans les pays asiatiques par exemple, pratiquée par tous quotidiennement, elle est un signe de respect de soi et des autres. Plus en forme, on est plus performant. Les bienfaits de la sieste sont en effet importants. Une sieste brève est la plus efficace. Brève, de 10 à 20 minutes, elle est la plus efficace, d'autant plus si on la pratique régulièrement, environ 4 fois par semaine. Elle est constituée d'un sommeil lent et léger et permet un retour facile à ses activités. Elle est idéale pour les personnes qui ont des journées très longues, se lèvent tôt et se couchent tard. Les effets de la sieste sur la santé: ce temps de repos procure une amélioration immédiate de la vigilance, attention, concentration, énergie, performance, humeur, une très forte protection anti-stress, une bonne régulation en termes de protection cardiovasculaire, avec une incidence sur l'hypertension artérielle vire. Gulbès, une meilleure mémorisation, ce qui est vrai aussi bien entendu pour le sommeil de nuit. De quelle manière récupérer? La sieste flash de 1 à 5 minutes est la privilégiée en période de travail et en cas de privation de sommeil. La sieste de 20 minutes permet de récupérer sa vigilance sans amputer le temps de sommeil nocturne. La sieste de 1h à 1h30 est à réserver pour lever quand, en cas de dette de sommeil seulement et à condition de se lever à la même heure qu'en semaine. Comment faire une micro-sieste pour une mini-sieste? Mettre un réveil 15-20 minutes à la maison, 5 à 10 minutes au travail. Trouver une bonne